Bonjour, je suis Jean-Yves Doisy, je suis heureux de vous accueillir dans cet atelier de réparation d'appareils électroménagers. Ces appareils électroménagers ont été jetés, été mis au rebut, ce sont des déchets d'équipements électriques électroniques, ce qu'on appelle les D3E. Qu'est-ce qu'un D3E? C'est un appareil qui a soit un fil électrique, soit une pile, un accumulateur ou une batterie, comme des jouets ou des appareils électroportatifs par exemple. Et on estime à peu près que 25 kg par an et par habitant sont jetés, ce qui est énorme. Pour autant, une faible partie peut être réemployée ou réutilisée. On va voir avec Abdelhak que ces opérations de remise à niveau ne sont pas forcément si simples. On va tourner au tambour et si on entend un drôle de bruit, c'est le roulement rouillé. Et ça prend 3 heures de travail. C'est pareil, c'est pour la carte. Il faut dévisser les 4 vis, ils vont réchauffer avec à l'air chaud et ça prend 1 heure de travail. Voilà, donc c'est pas optimal finalement, la machine n'a pas été conçue de façon à ce que l'on retire facilement les pièces. Si on avait eu des clips pour retirer la carte très vite, on aurait gagné beaucoup de temps et on aurait amélioré la réparabilité de l'appareil. C'est le concept de l'increvable et c'est ce que vous allez voir maintenant. Bienvenue dans les locaux de l'increvable, c'est ici qu'on imagine et conçoit la machine à laver l'increvable. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette machine? Elle a été pensée pour pouvoir être facilement réparée et évoluer au fil du temps. Pour vous expliquer ça, on a pris l'exemple d'un changement de pompe que Julien et Bertrand, juste à votre gauche, vont vous expliquer. Donc, une machine à laver, c'est rempli d'ensembles qui sont très sollicités, soumis à l'usure. Donc, il va falloir obligatoirement les remplacer à un temps donné. Nous, on travaille voilà, sur l'accès à ces composants. Donc, voilà, pour un remplacement d'une pompe, on va ouvrir la façade, l'avant de la machine, sortir la pompe, démonter l'ensemble des composants et remplacer l'organe défectueux. Ce qu'on va faire aussi avec Katia System, c'est simuler différents cycles de lavage et vérifier que des pièces comme celle-ci, l'amortisseur, elles ne vont pas casser au cours du temps et que les pièces de la machine à laver ne vont pas s'entrechoquer entre elles. Et en termes d'accessibilité, c'est Arnaud qui s'occupe de la partie simulation. Oui, on a créé un scénario de démontage dans Creative Experience pour illustrer la procédure aux utilisateurs. On y voit bien l'accès facile par la face avant. Donc ces quelques exemples nous permettent de vous montrer les avantages de l'increvable, à savoir l'accessibilité aux différentes pièces et la possibilité de les améliorer au fil du temps.